Un siphon, flon, flon. Et un siphon, flon, flon, dans les chaumières. À blanquer des papillons sous les paupières. À nous coller des frissons dans les tuyères. Bonsoir, vous êtes en direct de la Maison Folie de Oisem sur Flo Flo TV pour un siphon. Ce soir, c'est la soirée des vétérans. Nous allons commencer en musique avec le plus vétéran des vétérans. Il s'agit donc de Gérard Buisine et sa bande Apollo. C'est parti. Si bon je reconnais les siens, qu'ils me permettent d'être des autres, j'ai une grande gueule, je sais bien. Je ne ferai pas un bon apôtre, je sais pas me tenir en société. Et je parle des curés, la bouche pleine, oui, pleine de monstruosité et de propos les plus obscènes. C'est toi que j'attends, Satan, l'enferme me guette. C'est chouette, il y a des nénettes et du bon vin, et nom de Dieu, ce qu'on va rigoler. Avec leurs âmes au paradis, les élus ont peut-être la vie belle, mais les avés et les hosties sont des choses trop immatérielles. Comme rigolade, c'est plutôt sec. Faire l'amour avec une chaisière, il faut déjà être le rhume mec pour distinguer des viandes derrière. Au paradis, paradis, ils sont tous tristes, les moralistes, les spécialistes. Des Gloria des Aves, c'est encore à nous de faire, c'est pas le même tabac. On peut lancer la carmagnole, vu qu'on a laissé les bourgeois s'émerder avec l'auréole. On traverse en dehors des clous et on triche quand on joue aux billes. Et lorsque l'on tombe à genoux, c'est toujours au pied d'une chouette fille. C'est quand j'attends, Satan, t'enferme guette. C'est chouette, y'a des nénettes. Et du bon vin, et reine de Dieu, ce qu'on va rigoler. Bravo, on les applaudit, la bande Apollo. Quel bonheur, quel plaisir de retrouver la bande Apollo. On va avoir un autre plaisir, un autre bonheur de retrouver quelqu'un qu'on connaît bien ici à Oisem. Il s'agit de Marie-Christine Stagnec-Vavran. Merci de l'applaudir. Bonjour. Assieds-toi, Marie-Christine. Bonjour, bonjour. Juste avant l'émission, je m'étais dit, bon, on va se vouvoyer parce que c'est quand même un petit peu un personnage politique, plutôt, mais il n'en est pas question. Bah, depuis le temps quand même qu'on se connaît, ça serait un peu ridicule qu'aujourd'hui particulièrement tu me vouvoies. Depuis le temps qu'on a passé et démarré cette histoire, ce serait quand même un peu bête aujourd'hui. Hein. Bon, en tout cas, on ne le fait pas, on va se tutoyer. Non. Et moi, en fait, je t'ai toujours connue femme politique, puisque oui. En fait, quand on est arrivé à Oisem, c'était avec le biplan,
Oui. On parlera du biplan avec un autre invité aussi tout à l'heure. Et au biplan, donc, on était en 91, septembre 91, et tu étais déjà la présidente de quartier à l'époque. Exact. J'ai été élue en 89 avec Pierre Mauroy. Et la première délégation qu'il m'est confiée, c'est effectivement la présidence du conseil de quartier de Oisem. Pourquoi Oisem ? Bah parce que j'y suis née, parce que j'y habite, parce que toute ma famille est d'Oisem et que toute mon histoire politique et aussi familiale est à Oisem. Et donc, c'était tout à fait logique pour lui, puisque, pour être clair, mon père et mon grand-père avaient également été élus et à Oisem. Voilà, donc c'est une histoire familiale, viscérale. On est d'Oisem, on habite Oisem, on vit à Oisem. Chez les Vavrans, on est dans la politique et on est oisémois. Voilà, donc, W, tu vois. Voilà, donc tu es arrivée donc, présidente de quartier. Nous, on t'a rejoint, si je puis dire. À l'époque, on débutait avec le biplan et puis on a lancé le Festival d'accordéon qui est devenu ce qu'il est devenu. Tout à fait. En partie aussi grâce à toi, enfin en tout cas à tous ceux qui nous ont aidés pour le faire. On va regarder un petit peu quelques petites images de ce moment-là. Mais d'abord, on va regarder une vidéo sur le cabaret senior. On en reparlera après, puisque les seniors, c'est une de tes délégations. C'est parti. Vous êtes toujours sur un siphon. Donc on vient de voir un sujet sur le cabaret senior il y a 2-3 ans, donc toujours avec la bande Apollo qui maintenant officie. C'est un nouveau rendez-vous qu'on a instauré il y a quelques années, avec ton soutien d'ailleurs. Et bon, tu vois, ça se passe super bien. Il y a même parfois des farandoles de chariots, enfin pas de chariots, de fauteuils roulants, mais c'est vraiment fondard. Et c'est un rendez-vous que les anciens vraiment entendent beaucoup, ouais. Ouais, qu'on apprécie, nous aussi d'ailleurs. Et donc on va parler un petit peu de Oisem, je dirais, dans le temps. Mais avant, j'aimerais que tu nous donnes, puisque tu es quand même très bien placé, pour nous donner un aperçu de comment on gère la crise en ce moment, parce que parmi tes multiples délégations, il y en a beaucoup qui concernent non seulement les seniors, mais la santé, etc. Oui. etc. Donc comment ça se passe en ce moment pour vous ? Moi, j'ai démarré depuis le mois de mars. Hein. Le premier jour, on a été sur le terrain puisque tout était fermé l'année dernière. Et il a fallu trouver en catastrophe les masques, le gel, trouver de la nourriture pour ceux qui étaient dehors puisque tout était fermé. Donc ça a été les premiers mois, les trois premiers mois, a été très, très, très dur. On était vraiment très speed parce que tout était arrêté. Il n'y avait que nous au niveau de la ville. On était une petite poignée à travailler. Et on a tout de suite dû mobiliser toutes les énergies que l'on connaissait, c'est-à-dire tous les réseaux, tous les copains, pour essayer de trouver des réponses de proximité. Tu vois, je vais te raconter un truc. Il y a un directeur qui m'appelle et me dit « J'ai un copain à la gendarmerie, on a des masques, je vais aller les chercher. » Il prenait sa voiture et allait chercher les masques. Donc, on était dans les premiers mois très en crise, très dur, c'était un peu compliqué, mais y compris avec le préfet à l'égalité des chances, on a trouvé une formule qui était sympa, puisqu'ils ont accepté de mettre à l'abri les personnes qui étaient dehors dans les hôtels. Ça aussi, ça a été quelque chose qui était important pour nous. Et puis, on a eu la première réouverture et le deuxième confinement. Et là encore, on doit se bouger parce que ce qu'on a constaté, alors depuis la rentrée, le premier confinement, c'était pas aussi important, pas visible. Mais à partir de septembre, on a dû prendre conscience et c'était vraiment très, très, très important pour nous que la population, elle était certes en difficulté de santé, certes pour nous en difficulté économique et toutes les tranches d'âge. Hein, on parle des étudiants, de personnes âgées, familles. Donc il a fallu distribuer des colis. Et puis surtout, ce qui est apparu très, très fort, c'est les problèmes psychologiques de toutes les tranches d'âge, puisque les gens étaient enfermés, et y compris des personnes qui n'avaient aucun problème jusqu'à présent, se sont retrouvées dans une difficulté. Donc nous, il faut qu'on trouve des solutions pour aider ces personnes. Donc tout le réseau psy-santé s'est bien mobilisé.
Là, on va mettre en place des petites actions complètes sur la ville de Lille. On a interpellé l'ARS, l'État. On a réussi à avoir quelques moyens supplémentaires pour la psy. C'est encore très, très faible, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, en tout cas, le partenariat... Tu sais, moi, je suis très, très sensible au partenariat. Et sur la santé, on a aussi cette chance d'avoir un partenariat qui s'est bien mobilisé. Et le réseau travaille pour un peu aider les uns et les autres. Et puis, au niveau de la ville, pour être aussi... Hein, on a des associations qui ont appelé leurs adhérents. Les personnels de la mairie, bien sûr, ont appelé. Et cette chaîne, tu vois, de solidarité qui existe, hein, auquel, tu sais, je suis attachée, ça fait que, globalement, les personnes, on ne s'en sort pas trop mal. Ça aurait pu être bien pire. Moi, il y a des communes, des villes qui m'ont dit que c'était bien plus difficile que nous, parce que ces associations, tu vois, elles ont continué à se faire ce travail de proximité. Et ça, franchement, c'est une chance qu'on a. Hein, il y a eu beaucoup de décès aussi, non ? Oui, mais alors... Si tu veux, c'est compliqué parce que jusqu'au mois de juin, parce que c'est aussi une délégation, j'ai regardé les chiffres. En juin 2020, il y avait un petit peu plus qu'en 2019, mais beaucoup moins qu'en 2018. Beaucoup moins qu'en 2018. C'est la première vague qui a été la plus catastrophique en termes de décès n'a pas frappé très fort chez nous. Par contre, en décembre 2020, là, on a vu qu'il y avait une accélération, effectivement. Tu vois, les gens qui étaient pendant plusieurs mois seuls, et ben, il y a eu aussi des décompensations. Et donc, en décembre, on a constaté une augmentation des décès. On croise tous les doigts pour que ça s'arrange. Et on applaudit la multi-déléguée, Marie-Christine Sagnac-Vaumont. On va écouter un peu de musique encore avec la bande Apollo, qui va nous refaire une petite chanson. Ça va remonter. La chanson de tout à l'heure, pour démarrer, c'était une chanson de Guy Sciencia qui datait des années 60. Guy Sciencia, auteur-compositeur qui habitait Lille. La suivante est une chanson de 1888, écrite par Léon Sanroff. Un fiacre allait trottinant, cahucahuia. Hop là. Un fiacre allait trottinant, jaune avec un cocher blanc. Jaune avec un cocher blanc. Derrière les stores baissés, cahucahuia. Hop là. Derrière les stores baissés, on entendait des baisers. On entendait des baisers. Puis une voix criant, Léon. Quinca-hudia, hop là. Puis une voix criant, Léon, tu fais mal à ton lorgnon. Tu fais mal à ton lorgnon. Un vieux monsieur qui passait, quinca-hudia, hop là. Un vieux monsieur qui passait, s'écrit maison directrice. Ma femme dont j'entends la voix, quinca-hudia, hop là. Ta femme dont j'entends la voix, il se lance sur le pavé en bois. Il se lance sur le pavé en bois. Mais il glisse sur le sol mouillé, quinca-hudia, hop là. Mais il glisse sur le sol mouillé, crac, il est escrabouillé. Du fiacre une dame sort et dit, quinca-hudia, hop là. Une dame sort et dit, chouette Léon, c'est mon mari. Chouette Léon, c'est mon mari. Qui a plus besoin de nous cacher, quinca-hudia, hop là. Y a plus besoin de nous cacher. Donne donc 100 sous au cocher. Donne donc 100 sous au cocher. Fiacre allait trottinant, quinca-hudia,
il y a hop là, un fiacre à l'étroquinant, jaune avec un cocher blanc. La bande Apollo sur un siphon. On va accueillir maintenant un second invité en la personne de Laurent Petit. Prenez place, monsieur le professeur. Bonjour. Je vois que vous n'avez pas quitté le manteau de pluie, monsieur le professeur. Il pleut dehors. Il pleut énormément. Vous voulez que je vous donne un coup de main ? Normalement, je n'ai pas le droit de toucher votre micro. Et alors, je vous appelle professeur ou docteur ? Non. Aujourd'hui, je suis plutôt en civil. Bon, c'est toi, alors. D'accord. Bonjour, Laurent. Bonsoir. Bonjour, Claude. Bonjour, Marie-Christine. Marie-Christine, bien sûr. Excusez-moi. Alors, on se connaît aussi depuis longtemps, puisqu'en fait, on a démarré ensemble. Je me souviens qu'on avait, à l'époque, tu dirigeais les aviateurs de Oisem. Oui, absolument, oui. Et c'est par les aviateurs de Oisem qu'Éric Guillot, qui avait fait partie de ces aviateurs, m'avait proposé, parce qu'il avait un peu touché des balles de jonglage, exact. Et puis des quilles et tout. Exact. Il s'est dit, mais j'ai une vocation d'artiste. Je vais créer un lieu, c'est un industriel. Et donc, il a créé le Biplan. Puisque j'en étais ami, il m'a dit, est-ce que tu veux t'en occuper ? Ouais. Et donc, nous sommes connus à ce moment-là. C'est là que nous avons rencontré Marie-Christine. Vous baladiez dans le quartier, il y avait plein d'animations dans les rues. C'était quelque chose de, à l'époque, complètement innovant. Et c'est vrai, hein, quand on avait imaginé que le quartier d'Oisem populaire pourrait avoir la culture comme fer de lance. C'était inouï. C'était invraisemblable. On était jeunes, alors, c'est pour ça, on avait de l'allant. On en a encore un petit peu. Bah, parce que le résultat était quand même brillant. On va regarder comment on était beau quand on était jeunes. On a des photos qui passent là. Vous pouvez balancer un petit peu. Voilà, ça c'est le montage du premier chapiteau devant l'église. On ne peut même plus le faire maintenant parce qu'elle a été réaménagée, cette place. Elle n'est plus plane. Et c'était le premier concert en public Oisem l'accordéon 1992. Il y en a d'autres qui viennent. La Cigale qui s'appelle maintenant La Spendos. Et donc toujours La Cigale. Donc ça, c'est le premier festival. Toujours pareil. Et puis, on va peut-être voir là, Renaud en 1994. Le fameux événement qui avait rassemblé là aussi... Et Denis Cacheux, notre président à l'époque, et puis bon, l'effigie du premier festival, le revoilà Denis, toujours à la Cigale d'ailleurs. Et là, me voilà, on voit bien que j'étais jeune hein, quand même. Hein. J'étais jeune avec Alain Lepresse et Bernard Pigache, quand on a co-dirigé le festival au début. Et donc voilà, bon, on était jeune et beau, on est encore beau. On est toujours jeune. Alors, dis-moi, Laurent, puisque nous allons parler un peu plus de toi, avec Marie-Christine peut intervenir à tout moment. Hein. Elle peut te couper la parole. Laurent, toi, tu es devenu, on ne sait même plus trop, tu as tellement de casquettes. Oui. D'ailleurs, ça serait mieux que tu enlèves ta casquette parce que ça fait de l'ombre sur tes beaux yeux. Bon, tu n'es pas obligé. Hein. Bah, en fait, je suis tenu par contrat avec une marque de chocolatier. Ah ouais. Donc, je suis obligé de la garder. Mais normalement, on doit en croquer quand c'est comme ça. Hein. Donc, je vais juste revenir sur les débuts des aviateurs de Oisem et du Festival de l'accordéon, parce qu'on sait que chacun a sa version. Et tout est parti donc d'Éric Guillot du Biplan, qui, à l'époque, avant d'être Biplan, était donc l'œuf carré, un café-restaurant, un spectacle, que Éric Guillot rachète, il aménage. Et là, il me propose d'être concierge du Biplan. Ça m'arrangeait bien parce que c'était une salle de spectacle. On pouvait répéter des spectacles, donc des ateliers de jonglage, des ateliers de chant. Et Claude arrive pour s'occuper de la programmation. Et dans l'équipe des aviateurs de Oisem, il y avait une certaine Casilda Rodriguez qui un jour me demande de pouvoir répéter son récital dans le Biplan hein, qui était en train de se construire. Et là, Claude vient avec Bernard, avec d'autres invités. C'était un dimanche matin. Tout le monde est ravi par ce récital et après on boit quelques bières. Je crois que c'est à ce moment-là que l'idée du festival d'accordéon est née suite à ce concert de Casilda. Donc je pense que je voulais juste signaler ça parce que j'imagine que toi tu as une autre version. Et non, c'est assez proche. Moi, la version est simple.
Ils étaient à trois, ils arrivent un jour, ils demandent un rendez-vous. Voilà. Ils viennent donc dans la mairie de quartier et ils disent, bon voilà, on sait qu'à l'époque, ils disaient encore vous, on sait que vous voulez travailler sur l'image du quartier, on a un projet, on va vous le proposer. Et donc, bon, donc je les écoute sagement et ils me disent, bon ben voilà, c'est un quartier populaire, donc l'accordéon. Et moi, je voulais changer un peu l'image. Et donc, pour moi, l'accordéon... bon, André Verschuren, tout ça. Et ils me disent, mais non, c'est plus ça aujourd'hui. Et donc, ils m'ont fait écouter ce qu'était l'accordéon d'aujourd'hui. Ouais. Et donc, ils sont partis comme ça. Bah, je dis, bon, OK, allez voir, faites une proposition. Et leur proposition, ça a été effectivement de faire un truc extraordinaire à l'époque. À l'époque, c'était déjà extraordinaire sur la place du marché. Voilà. Bon, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait monter et qu'on n'avait pas pu faire autrement que... démonter le soir parce qu'il fallait que le marché soit opérationnel. Ouais, c'est à 5h du matin, dimanche matin. Le marché arrivé, on débarrassait les dernières planches. Et donc, ils ont débarrassé dans la nuit pour que le matin, le marché puisse être là. Et ça a été un succès avec tous les cafés qui étaient pleins. Et les gens du quartier qui étaient très, très contents parce que c'était effectivement l'image de l'accordéon, mais une fête. Bon, à l'époque, tous les bistrots, tu avais fait le tour pour qu'il y ait de la musique dans les bistrots. Et les gens, moi je me souviens, ils étaient super contents parce qu'on parlait d'eux, positifs, et eux-mêmes s'étaient beaucoup amusés. Et ça, pour moi, c'est la première image, le premier souvenir, si tu veux que j'ai. Bon, après, il y en a eu beaucoup d'autres, hein, des formes différentes, j'en ai plein d'images dans la tête. Mais je crois que c'est la première image que j'ai, c'est eux trois dans le bureau. Et puis le dimanche matin, où ils étaient en train de démonter, après une folie de ces trois journées... de fête dans le quartier. Moi, j'ai le souvenir des premières éditions où l'équipe travaillait tellement qu'on se retrouvait parfois à catering et là, il y a des gens qui tombaient comme ça. La tête complètement sur la table, tellement ils étaient épuisés. Tu as le souvenir de ça? On voyait des jamais moi, jamais moi. Mais beaucoup de gens, tellement ils travaillaient jour et nuit. C'était vraiment... C'était une folie. C'était aussi beaucoup de générosité. Pour bon, ça l'est toujours un peu, mais enfin, ouais. Pas en ce moment. Mais quoique cette émission de télé qui s'appelle ainsi, Fond est quand même une petite folie. Tout à fait. Et on se marre bien quand même. Et on va regarder un peu. Je pense que, je ne sais pas si les magnétos sont prêts, on a aussi des photos de lui tout jeune dans les aviateurs de Oisem parmi. Il y en a une notamment, les aviateurs de Oisem. Ça c'est ouais, donc une troupe voilà. De légende qui voilà. Est à la fin des après, années 90. Il y a non, une photo, ça c'est le premier article sur le biplan, donc la création du biplan. On ne voit pas bien, mais c'est Éric Guillot et moi-même sur les gradins du biplan. On va regarder aussi une petite vidéo, si tu veux bien. Tu veux bien? Avec plaisir. On va regarder une petite vidéo pour parmi tes dernières apparitions visuelles. On regarde ça. Roland Gerbier, œnologue-pédiatre à l'université Pierre Cochin, à la Salpêtrière à Paris, en face de la Bastille, à deux pas des Champs-Élysées, métro Gare du Nord. Cela consiste en quoi? Figurez-vous que j'étudie, entre autres choses, les effets du vin rouge sur les nourrissons. C'est intéressant. Oui, oui. On s'aperçoit aujourd'hui que les jeunes enfants s'adonnent à la boisson de plus en plus tôt, sans doute pour évacuer inconsciemment l'angoisse terrible qu'ils éprouvent par rapport au monde qui les attend. Vous lui donnerez un petit calva sur le coup de 10h? Eh bien, l'ANPU, l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, a été fondée en 2008 et elle s'est donnée comme mission de psychanalyser le monde entier. On pensait faire ça en 5 ans, puis finalement on est parti sur un plan biquinquennal, soit 10 ans, pour présenter les résultats le 24 décembre 2017 à 23h, c'est un lundi je crois, à New York devant le siège de l'ONU. On l'applaudit, Laurent Petit, psychanalyste, président de l'ANPU. C'est quoi ça, l'ANPU ? ANPU pour Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine. Donc, c'est un collectif d'architectes, de graphistes et de sociologues qui essayent de psychanalyser le monde entier pour le sauver quelque part. Donc, c'est une agence qui a été fondée en 2008 et qui a psychanalysé pour l'instant une centaine de territoires, une centaine de villes comme Marseille, Lyon, Bordeaux, des villes à l'étranger, des petites villes comme Hénin-Beaumont. On pourrait peut-être parler d'Hénin-Beaumont parce que c'est une ville assez incroyable qui a vraiment une grosse névrose industrielle
à gérer. Et donc, à chaque fois, on pose la ville sur le divan, on la fait parler, on essaie de détecter les névroses avant de proposer des traitements. Et donc, c'est un projet qui va aboutir en 2023 à la présentation des résultats de la psychanalyse du monde entier. Donc, il va se passer le 24 décembre à 23h à Genève, devant le siège de l'ONU. Venez nombreux, hein, puisqu'un vin chaud sera proposé aux gens qui assisteront à la proclamation des résultats. C'est à quelle époque ? 2023. Non, mais quelle époque de l'année ? 24 décembre, c'est le jour de la veille du Noël. Souvent, les gens ne savent pas quoi faire. Donc là, ils auront une bonne sortie et au moins des choses, des vraies solutions. Bon. Au problème qui accable la planète aujourd'hui. On va parler aussi d'autre chose, mais je voudrais remercier Marie-Christine de nous avoir rendu visite. C'était merci Marie-Christine. Un vrai plaisir pour moi, et puis ça fait tellement de souvenirs assez drôles. Et voilà. Donc c'était vraiment un plaisir de vous revoir tous les deux. Enfin, toi, je te vois régulièrement, mais en tout cas, toi, de te revoir là aujourd'hui. Au revoir Marie-Christine, salut. Salut à vous. On va parler, avant de nous quitter, cher Laurent, de ton actualité livresque, car monsieur écrit. Et d'ailleurs, j'ai là deux livres qui sont signés de Laurent Petit. Celui-là date de 2015, je crois. Non, 2013. 2013, pardon. La ville sur le divan, parce qu'il psychanalyse vraiment les villes. Oui, donc c'est un livre qui a été publié à la Contre-Allée et qui explique un peu 5 cas d'études dans le détail. C'est un livre qui parle beaucoup de, par exemple, de Tours, les Côtes d'Armor, Vierzon, Marseille, Alger. Donc c'est un peu des exemples des missions qu'on mène ici ou là. Et enfin, un roman qui est sorti il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas. Il est sorti fin janvier. Fin janvier. Tout récent. Il est édité cette fois-ci par Wild Project, une maison d'édition de Marseille. Ça s'appelle Happy End. Happy End. Bon, là, c'est une des pistes de traitement qu'on va proposer au monde entier. C'est une piste un peu douloureuse, rassurez-vous, il y en a d'autres, où on évoque la possibilité d'offrir, pour lutter contre la surpopulation, de proposer une prime aux gens qui mettraient fin à leur jour. Et donc, c'est un roman épistolaire, enfin, c'est que des mails, c'est ça ? Oui, des courriels, on dit en français. C'est présenté sous la forme de mails qu'on a pu intercepter dans une agence de communication qui travaille sur ce sujet, qui essaie de trouver des slogans, toutes sortes de vidéos, des 4x3, etc. Donc, c'est un sujet assez lourd, mais qui essaye d'être qui est traité avec humour, un peu l'humour extrêmement noir. Semble-t-il, les rares lecteurs qui ont réussi à aller jusqu'au bout ont beaucoup ri, même s'ils avaient honte de rire d'un sujet aussi grave. Voilà. Et alors, ça s'achète où ? Oh, c'est difficile à trouver parce que les libraires, pour l'instant, refusent de le vendre. Donc, il faut plutôt le commander chez vos libraires, d'ailleurs. Le commander, et puis ils vous le... Vous pouvez toujours vous renseigner sur Flonflon ou sur Un Siphon. Cher Laurent Petit, monsieur le psychanalyste, professeur, merci de votre visite. Eh ben, je souhaite une belle édition 2021 à Wazem Accordéon, mais une encore meilleure et plus collective, je dirais, en 2022. Ça va être difficile parce qu'on est toujours très, très collectif. En attendant, merci encore festive, Laurent. Plus festif. Difficile aussi, on est toujours très festif. Comment on fait ? Encore plus festif. Encore plus festif, on l'applaudit. Merci Laurent. On va écouter un peu de musique. Ils attendent depuis tout à l'heure qu'on finisse nos bêtises. Il s'appelle le Compost Trio. Allez, on y va. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, l'amour c'est fait pour ça, tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon, sur le bout de tes doigts, tu verras, tu l'auras ta maison, avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias,
les palmiers plein les cieux, des hivers crépitants près du champ Angora. Les choux m'endormiraient, tu verras, le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, les caveaux et mes toits, tous les rêves du monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, la vie s'est fait pour ça, tu verras, tu verras mon stylo emplumé de soleil, léché sur le papier, l'archange du réveil, je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil, à le joli façade, et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps, je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai le sommier, tu verras, en t'inventant l'amour, dans la chair de ma voix, jusqu'au matin du monde. Tu verras, tout recommencera, tu verras, le diable est fait pour ça, tu verras, je ferai le voyou, tu verras, je boirai comme un trou, et qui vivra mourra, tu me ramasseras dans tes yeux de rosée, et je t'insulterai dans du verre brisé, je serai fou furieux, tu verras contre toi, contre tous, et surtout contre moi, la porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras, tu verras notre enfant étoilé de sueur, s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs, et revenir vers nous, scintillant de vigueur, tu verras mon ami dans les os de mes bras, craquer du fin bonheur de se sentir aidé, tu me verras chérie, allumer des clartés, et tu verras tout ce qu'on croyait décédé, reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix, jusqu'au matin du monde. Ah, tu verras... C'était le Compost Trio sur un siphon. On va les retrouver tout à l'heure. En attendant, nous avons Gérard Buisine avec nous. Gérard Buisine, le créateur, le directeur, bon, il n'a pas l'air tout à fait d'accord, mais il va nous en dire davantage. Depuis quand existe la bande Apollo, Gérard ? Allô ? Oui, on t'entend. Sous ce nom-là, en septembre 81. Mais en fait, ça faisait déjà 3 ou 4 ans qu'on jouait ici à Oisem, dans les bistrots, et qu'on allait aussi dans des fêtes du bassin minier. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de bistrots à Oisem. Hein. Il n'y avait pas ? Beaucoup de bistrots à Oisem. Oh, il y en avait quand même quelques-uns. Moi, je me souviens du 421, qui était à deux pas d'ici. Il y avait le Fandango, qui était à la place du Cheval Blanc, maintenant. Ah oui, d'accord. Au Fandango, c'était... On avait l'impression, le samedi et le dimanche après-midi, de se retrouver dans un mariage, parce qu'il y avait tous les petits vieux du quartier qui étaient là et qui chantaient leurs chansons l'un après l'autre. Ah oui, bah c'est encore un petit peu le cas. Ils sont peut-être plus si vieux que ça, mais au Cheval Blanc, ça a toujours l'impression qu'on est dans un mariage. En tout cas, c'est une grosse fête. Quand Jeanne, elle chantait du gris, tout le monde y pleurait dans le bistrot. Ah ouais. D'accord. Et au 421, je crois que c'est la première fois que je t'ai vu. Ça remonte à très longtemps. Et puis, donc, la bande Apollo a joué, évidemment, bien évidemment, à Oisem l'accordéon. Et depuis tout le temps, d'ailleurs... À tel point que quand on a repris, tu as fait l'affiche en 2006. On peut peut-être lancer l'affiche du... Voilà. En 2006, on t'avait croqué sous le... Vraiment, tu ressemblais au Big Lebowski. On avait fait une parodie du Big Lebowski. Et au lieu d'avoir des tapis dans tes lunettes, tu avais donc un accordéon, deux accordéons. Et donc ça, c'était en 2006. Puis on a fait plein d'autres... on peut peut-être envoyer peut-être quelques autres petites photos. Voilà, en Père Noël. Et puis, enfin, on s'est bien amusé. Et d'ailleurs, on va envoyer une petite vidéo que j'ai trouvée, qu'on a retrouvée dans nos classeurs, si on peut l'envoyer. Voilà, ça, c'était avec Thierry Montagne. Donc voilà. Thierry Montagne, qu'on salue, qui nous a envoyé un coucou il y a très peu de temps.
Et donc toi, avant de, tu as toujours fait de la musique ou tu viens de quel milieu au départ, Gérard ? Mon père était fonctionnaire, ma mère était employée de bureau, milieu très modeste du côté des grands-parents, quoi. Mais toi-même, donc, tu es venu à la musique comment ? Tu n'as jamais été musicien professionnel, on va dire, mais ça n'a pas donné. Non, mais j'avais 14 ans. Pour mon BEPC, on m'a payé une guitare, parce que ma cousine avait une guitare, et elle jouait du classique. Alors moi, j'ai essayé d'apprendre un peu du classique, tout ça. Mais très, très vite, on s'est retrouvés dans les années 60, et là, j'ai complètement abandonné le classique et j'ai fait du rock avec des copains. Mais on passait plus de temps à répéter qu'à jouer en public. Mais cependant, des concerts, tu as dû en faire des milliers quand même, parce que depuis que je te connais déjà, je t'ai vu. Déjà, je me souviens, on est tous les dimanches, c'était au relax pendant 10 ans. Oui, il y avait des fois où on jouait 5 soirs en suivant dans les bistrots. Ouais, ça en fait des concerts. Ouais, c'était l'époque un peu folle, ça. Ben, c'est toujours là, tu es toujours là avec ta bande Apollo. On l'applaudit, Gérard Buisine. Bon, on va te retrouver juste après. Gérard, le temps de lancer une petite vidéo sur un bénévole qui nous fait un coucou, et c'est même une bénévole. Bonjour, je m'appelle Muriel Decroix, je suis retraitée de la fonction publique maintenant, après 42 ans de bons et loyaux services. Je suis bénévole pour Wasm l'accordéon depuis 2006, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Ça doit être à peu près ça. Alors, depuis 2006, au départ, j'étais très intéressée par le service au bar, comme beaucoup de monde, et la billetterie, ticketterie ou billetterie d'entrée. J'ai fait ça pendant très, 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 très longtemps. Et puis là, depuis quelques années, je fais plus facilement du catering, la journée, parce que le soir, ça devient un peu compliqué. Alors, des choses qui m'ont marqué, en fait, je n'en ai pas. Mais par contre, c'est plein de moments précieux, plein de rigolades, le bonheur de voir des gens, de pouvoir échanger. Être utile aussi, parce que bon, quelquefois on est quand même un petit peu utile quand même pour accueillir, pour sourire tout simplement, mais c'est surtout l'échange, la bonne ambiance. Alors c'est justement la bande Apollo qui m'a amené sur le festival, en fait. Bande Apollo que j'ai rencontré en janvier 2005, que j'ai suivi, que je suis toujours d'ailleurs, hein, et puis en les suivant de bistrot en bistrot, parce que c'est là que ça se passe, en fait. J'ai entendu parler du festival et c'est pour ça que je me suis mise sur le festival. Alors, j'ai une petite anecdote, effectivement. Je ne m'étalerai pas sur l'anecdote. C'est une rencontre assez... Alors, violente, c'est un peu fort, un peu vive, je dirais, avec Sanseverino. Je n'en dirai pas plus. Mais à sa décharge, qu'il est quand même venu s'excuser à la fin de son concert. Bah, moi, je me plains pas, hein, je suis retraitée. Donc, c'est pas très compliqué, en fait. J'ai une maison avec un jardin, donc c'est encore moins compliqué. J'ai pas de petits-enfants, donc pour le coup, je suis très, très libre. Alors, personnellement, ça devient un peu lourd, effectivement. Les restrictions, parce qu'il fait beau, on a envie de balader au-delà de 10 km. Mais bon, moi, personnellement, ça va très bien. Hein. J'ai vraiment pas de raison de me plaindre. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Et puis, c'est une page tournée vers la modernité et c'est pas désagréable. Merci à vous. Eh bien, merci Muriel et merci à tous les bénévoles qui, tous les ans, nous aident à construire et à organiser le festival. Il y en a au moins une centaine tous les ans. Merci à eux. Et c'est pour ça que cette rubrique est là dans Un siphon. On va retrouver la bande Apollo qui va nous refaire une petite chanson. Un
ça va. Je vais vous raconter une histoire arrivée. Anana et Julo, gueule d'acier. Pour vous raconter ça, il fallait une Java. J'en ai fait une batte, écoutez-la. Et je vous préviens surtout, je suis pas poète du tout. Les couplets riment pas bien, mais je m'en fous. Le grand Julo et Nana, sur un air de Java. Sconduro Balmusette, sur un air de Javette. Elle lui dit j'ai le béga, sur un air de Java. Il lui répond tant mieux, sur un air déjà vieux. Ah, 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 ah. Écoutez ça si c'est chouette. Ah, 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 ah. C'est la plus basse des Java. Ils partirent tous les deux comme des amoureux à l'hôtel meublé du coup nerveux. Le lendemain, Julo lui dit « J'étais dans la peau » et il lui botta le bas du dos. Elle lui dit « J'ai compris, tu veux de l'argent chéri, t'en auras à la seconde brille. » Alors elle s'en alla sur un air de Java, boulevard de la Chapelle sur un air de Javel. À se vendit pour de l'or sur un air de Java, à 3 francs la séance sur un air de Jouvence. Ah, 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 ah. Écoutez ça si c'est chouette. Ah, 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 ah. C'est la plus belle des Java. Son homme pendant ce temps, ayant besoin d'argent, mijotait un coup extravagant. Il chipa lui Julo une rame de métro qu'il dissimula sous son paletot. Le coup était bien fait, mais pendant qu'il sortait, une roue péta sous son gilet. Alors on l'arrêta sur un air de Java, mais rougeux de colère sur un air de Javet. Dans le ventre du flic, sur un air de Javik, planta son eustache en criant « Mort aux vaches !» Ah, 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 ah. Écoutez ça si c'est chouette. Ah, 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 ah. C'est la plus belle des Java. Nana ne sachant rien, continuait son turbin. 6 mois se sont passés un matin. Elle rentra à la maison, mais elle a le frisson. Elle s'arrête devant la prison. L'échafaud se dresse là. Le bourreau qui ne s'en fait pas fait le coup près à la pâte oméga. Julo vient à petits pas sur un air de Java. C'est lui qu'on guillotine sur un air de Javine. Sa tête tombe dans le panier sur un air de Javier. Et Nana s'évanouille sur un air de Chavouille. Et chez Totrice, et tout le monde y va, yo, il filmait quelle affaire. Et allez les cœurs! Ah, 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 ah. Écoutez ça, ça si c'est chouette. Ah, 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 ah. C'est la plus belle des Java. Bravo la bande Apollo! Nous sommes toujours sur un siphon. Et on va encore écouter de la musique puisqu'ils sont là pour ça. Ils s'appellent le Compost Trio. C'est à vous. Je suis allée aux fraises, je suis revenue de Pontoise, j'ai filé à l'anglaise avec une tonkinoise. Si j'ai roulé ma bosse, je connais l'univers. J'ai même roulé carrosse et j'ai roulé les airs. Et je dis non, 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 non. Oui, je dis non, 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 non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à mon beuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Tourcoing. Oh, je vous en prie. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse.
J'ai fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer. J'en ai fait à ma guise et aussi à Cambrai. Je connais toutes les mers, la mer Rouge, la mer Noire, la Méditerranée, la mer de Charles Trenet. Et je dis non, 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 non. Oui, je dis non, 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 non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Roubaix. Oh, vous êtes ridicule. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas de faire du sport au Kremlin. Bravo le Compost Trio. Avant de les retrouver, on va voir un copain qui nous fait un petit coucou pour le coucou des copains copines. C'est maintenant. Salut les flonflons. Une petite chanson en attente du déconfinement. Tant qu'à faire, autant attendre Madeleine. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté Villa, j'en apporte toutes les semaines. Et Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des petites chérées. Madeleine, elle aime bien ça. Madeleine, c'est mon rêve, c'est mon Amérique à moi, c'est sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je pourrais dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement puissante, elle est toute ma vie. Madeleine, que j'attends là. Voilà, salut les flonflons, à bientôt. Et salut à toi Salim, merci pour ce petit coucou. Je vais me déplacer vers le Compost Trio, car un trio, il faut savoir aussi de quoi il est, de qui surtout il est composé. Nous avons ici à la guitare Jean-Christophe Tan. Et puis par-delà, nous avons à l'accordéon Pierre-Paul Vèche. Et enfin, nous avons Cécile Cognier au chant. Vous nous en faites une petite dernière ? C'est à vous. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, car la foule vient me jeter dans ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le feu sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées, parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Quand soudain je pousse un cri parmi les rires, car la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres, et je crie de douleur, de fureur, de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, que
je n'ai jamais retrouvé. Le compost Rio, vous avez fini, je ne sais pas, on était suspendus aux télèbres, on ne savait pas, mais en tout cas, c'est le compost Rio, on les applaudit bien fort sur un siphon. Je vais pour terminer, aller faire quelques petits pas vers la bande Apollo. On va présenter cette bande Apollo de ce soir, parce que la bande Apollo, c'est extensible. Il y en a parfois beaucoup plus, parfois moins. En tout cas, aujourd'hui, on a Didier Demarque à l'accordéon diatonique, on l'applaudit. À la batterie et au chant, Alexis Froment. À la basse, Barra Ravalosson. Là-bas, tout au bout, au saxo et à la flûte, Laurent Dionné. Et aussi Étienne Boulanger qui, à la fois, il s'est dédoublé, il est sur l'affiche cette année. On l'avait vu au tout premier magazine de Ainsi Flon Flon Flon. Et là, il est revenu avec la bande Apollo, dont il est un des membres actifs, on dirait. À vous de jouer, la bande Apollo. Vas-y, Gérard, c'est la dernière chanson. Vous pouvez vous joindre à eux, le compost trio. Et on retrouvera la bande Apollo tout à l'heure, d'ailleurs, pour un concert quelques instants après le générique. C'est parti ! Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Il passe ses nuits dans les caves avec son beretta. Il traque les mômes qui chouravent le pinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite fine peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM et la bande du 8e. Le HLM. Au premier, dans mon HLM, il y a le jeune cat dynamique, Costa en alpaga. Celui qui a payé 20 briques, sont deux pièces plus de lia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. De toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la surpo des chats. Parce que naturellement, ils vont contribuer à sa triste. Il n'aime pas les enfants, c'est vous dire s'il est triste. Putain, s'il est l'aime, mon HLM. La bande du 8e, le HLM. Au 2e, dans mon HLM, il y a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8. Dans 60 mètres carrés, il y a tout le temps de la musique. Des anciens de 68, il y en a un qui est chômeur, il y en a un qui est instite, il y en a une, c'est ma sœur, ils vivent comme ça, relax, il y a des matelas par terre, les voisins sont furax, ils font un boucan d'enfer, mais jamais leur loyer, et quand les ichets des boules, ils écrivent à l'IVE, c'est vous dire s'ils sont cool, putain, ce qu'il est l'aime, mon HLM, la bande des 8e, le HLM. Troisième dans mon HLM, y'a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Morias, le mois de juillet au club, comme tout est décoloré, elle a sa Mini Cooper, elle allume tout le quartier quand elle sort son cocker. Au mali de gonzesse, elle est au premier rang, mais elle ne veut pas d'enfant parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses et puis ça fout des rides, elle l'a lu dans l'Express. C'est vous dire si elle rit, putain ce qu'il est blême, mon HLM, et la bande du 8e, le HLM. Au 4e, dans mon HLM, il y a celui que les voisins appellent le communiste, même ça lui plaît pas bien, il dit qu'il est trotskiste. J'ai jamais bien pigé la différence profonde, il pourrait m'expliquer, et ça prendrait des plombes, depuis sa pétition.
printemps pour Chili. Les enfants soupçonnent à chaque nouveau graffiti. N'empêche que mort au compte en la cage d'escalier. C'est moi qui vais marquer le lézard si j'ai rêve. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, la môme du 8ème, le HLM. Il y a aussi dans mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loupard et un flic qui se balade en sous-vêtement, fait chaque jour son jogging avec son berger allemand, de la cave au parking, c'est vachement enrichissant. C'est Brochon, je fais un saut au 8ème pour construire un moment avec ma copine Germaine, un monde rempli d'enfants. Et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant, c'est vous dire si on rêve. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, la môme du 8ème, le HLM. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, le HLM. Bravo, bravo, la bande Apollo! La bande Apollo pour le 7e magazine d'Asifron! Et aussi Compose Trio. Merci, merci les amis musiciens. Nous avions aussi comme invité Marie-Christine Stanier-Vavran et aussi Laurent Petit. C'est terminé pour ce soir, mais on retrouve dans quelques instants la bande Apollo pour une petite, petite partie de concert. Salut à vous, merci. Et ainsi font flon flon dans les chaumières à Blanquer.